Le gouvernement poursuit ses efforts pour lutter contre la hausse des produits de première nécessité. Lors d'une réunion tenue à Rabat en présence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch, le président de la Comader, Rachid Ben Ali, a pointé du doigt le rôle néfaste des spéculateurs. Rachid Ben Ali est revenu sur l'envolée vertigineuse des prix des fruits et légumes tout en décortiquant le circuit de production et de commercialisation. On a eu une réunion avec le chef du gouvernement et messieurs les ministres pour d'abord présenter les nouveaux membres fraîchement élus de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Après, nous avons discuté de la flambée des prix de certains produits alimentaires. Enfin, nous avons discuté du statut financier de l'agriculteur, de son environnement rural et des producteurs agricoles. Cette réunion a permis un échange de vues sur les moyens de parvenir à une vision unifiée, pouvant diminuer l'impact de la situation difficile dont pâtissent actuellement les agriculteurs et les consommateurs, d'autant plus que certains problèmes peuvent être résolus à court terme par le biais des contrats-programmes avec certaines fédérations professionnelles. Cette réunion constitue une occasion pour exposer les vrais problèmes et proposer des solutions. Elle a permis un échange de vues sur les moyens de parvenir à une vision unifiée, généralisée, pouvant diminuer l'impact de la situation difficile dont pâtissent actuellement agriculteurs et consommateurs. La réunion s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire face à la hausse des prix et examiner des moyens de mettre en œuvre les différentes mesures nécessaires pour répondre aux exigences du marché national, ainsi qu'assurer des stocks suffisants et réguliers de tous les produits de base pour préserver le pouvoir d'achat du consommateur.